Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons Carthage. Alors, voyons voir. Nazamon et Numidia. Ah bon? Ah oui. Encore la Numidie qui fait des siennes. Ils ont réussi à s'en tirer, hein. Je sais pas trop comment, mais ils sont réussis. Alors, on va voir déjà, est-ce qu'on peut améliorer... Oui, on peut améliorer des bâtiments. Ça, ouais, un peu de recherche. Il y a une nouvelle Légio à ratamer. Bon, c'est quoi ça? La femme de l'un de vos magistrats affirme que ce jeune général a abusé d'elle. Son mari est venu vous demander la permission de tuer le jeune homme. Enquêtons. Il y a souvent Anguille sous roche. Ça, hein. J'ai toujours pas de quoi faire ma nouvelle troupe, quoi. Oui, si, il faudra peut-être que je fasse une nouvelle troupe parce que ils sont pas très en forme, quoi. Enfin, il est tout seul, surtout. Révolte, hein. Ok, après une enquête plus approfondie, on découvrit que cette femme avait essayé de séduire le jeune général qui s'était conduit. Qui s'était fait conduire. Enfin, nouvelle, son mari l'a mis dehors et s'excusa auprès des concernés. Quelqu'un qui s'excuse et qui. Enfin, qui s'excuse et qui. Sait prendre du recul, c'est rare. Qui sait prendre du recul sur ses actes. Ah ben dis donc, il y a du territoire à Massilia. Allons voir. Bon, là, il s'est dit, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue, je fais demi-tour, c'est pas plus con. Est-ce que je peux. Oui, je peux construire des trucs. Ouais, mais ça changera rien. Je vais aller tranquillement. Oh, les tueurs détendent là. Ils vont se détendre un jour ou. Falloir les aider, hein, parce que là. C'est désespérant. C'est désespérant. Dès que j'aurai un peu de thunes, je vais les aider. Là, en plus, je vais pouvoir intercepter une belle flotte. Donc ça me fait faire encore plus d'argent, j'espère finir mes constructions, faire une belle armée à Carthago et ça devrait être bon. Un petit paiement? Un paiement d'amitié. Allez. Regardez, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Bon, allons sur les Romains. Ah bon, vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude.
Sec, commencer le déploiement. Hop, je mets en double ligne. Le milieu, il est là. Voilà. On resserre la formation. Peut-être pas non plus autant quoi. Voilà. Pas volonté. Pas volonté, faites gaffe à pas toucher les baleines, s'il vous plaît. Pourquoi il tire aussi loin? Il y a des navires qui sont juste devant lui, quoi. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, 3, 4 navires là. 4 navires sur une salve. Qu'est-ce que tu fous? Sérieux? Qu'est-ce que tu fous? Mais non, pas toi. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Et du coup, ils vont me casser tout ma ligne, quoi. Je sais pas ce qu'ils font à bouger les rameurs là. Tuer les rameurs une fois que les bateaux ils sont sur place, on en a plus besoin après. Hein. Lui il est carrément à l'envers. Et voilà, allez. C'est pas ce qu'ils veulent. Regarde, regarde lui, il pète toutes les lignes. Son but, c'est de me faire chier, lui. Regarde-moi ça! Dégage, dégage. Dégage, dégage, j'en ai rien à secouer. Toi, tu vas aller dans le tas, j'en ai rien à secouer. Allez, putain, ça dégage, la racaille, c'est de là, ça dégage. T'as fini de faire ta merde, toi? Non, mais sérieux. Je peux pas le bouger, je peux pas le contrôler, je peux pas, ça sert à rien. Mais regarde, il me démonte tout. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Comment veux-tu lutter contre ça? Comment veux-tu lutter contre ça? En vrai, non, mais je vous pose la question, les gars, comment voulez-vous lutter contre ça? Ah, il me bloque, je peux même pas tirer. Écoute, hein, si cool, ce sera pas mon problème. Ah, bien fait pour eux. Là, je peux même plus tirer. Ouais, putain, et là, je vais me faire erreur. Ah ouais, bien sûr que j'ai des pertes à cause de ça. Et... Je suis censé faire quoi contre ça? Vous me l'expliquez, les gars? En plus, ces PNQ, ils veulent pas tirer comme il faut. Un coup en haut, un coup trop bas. Hein? Je sais pas, je sais pas ce que je suis censé faire. Honnêtement, vous m'expliquez si vous savez, moi je sais pas. Hein. Comme il n'y a pas possible. Hein. Bah, ils sont pris une raclée. Hein. Là, je les ai défoncés.
Ils ont cherché la petite bête, là, ils ont cherché le général. Ils l'ont trouvé. Voilà, bon. Ça nous fait toujours sans troupes. Eux, si ça me ferait pas de peine s'ils disparaissaient, hein, voilà. Là, on va arrêter de les mettre en marche rapide, marche forcée. C'est un grand chef, commandant d'infanterie. Et bientôt un général. Alors, voyons voir. Ouais. Ouais. Ok. Tac et tac. Voilà. Ici, on va pouvoir continuer à recruter quelques piquets. Pas beaucoup, trois. Mais c'est déjà ça. En vrai, je vais pas me plaindre, c'est toujours trois piquets de prix. On pille un peu d'or à nos copains romains. Mine de rien, ça pille même bien, vraiment très bien. Ok, ça c'est une cavalerie de charge. Ouais, bah oui. Marteau et enclume, les gars, on a des piquets, de la cavalerie. Deux unités de. Quelques unités de cavalerie, quelques unités de d'éléphants. Ce sera bien, hein. Non, merci. Je sais même pas ce qu'ils m'ont proposé. Ouais, flemme. Ok. Bonne recherche. Ils sont détruites. Libye. Ah. C'était notre état client, c'est ballot. Ouais, bataillon sacré. Ouais, ça c'est terminé, ça. Ah oui. Ah oui. Non, c'est pas eux les unités où ils sont 200. Si c'est eux les unités où ils sont 200. Non, pas bah non, ça revient à ça. Faction émerge. Ah. Ils sont émergés, ils sont foutus, ils sont revenus. Ah oui. Non mais t'inquiète. C'est tout à fait normal. Oui, tant qu'à faire. Quelques cavaleries, encore du piqué. Elle me coûte cher quand même en entretien. Hein. Elle me coûte déjà cher. Mais avec ça, je pourrais enfin conquérir les Romains. Les Romains ou. Non. Non, les Romains, ils me rapportent des thunes donc. Conquérir la péninsule ibérique. Enfin, du moins celle qui me. Celle qui ne me soutient pas.
J'ai l'impression que Nova Carthago s'en charge bien. Donc on va peut-être pouvoir aller vraiment sur les Romains, à moins que j'aille, que je remonte le long de Massilia. Les territoires de Massilia. Il y a Arcée qui m'intéresse. Bah non. On verra le moment venu. Voyons voir. Ouais, j'ai des champs à faire. Ouais, ça coûte une blinde ça aussi. Ah, je peux améliorer. On va le faire. On patrouille. J'ai tué ici. Hein. Toujours pas. Ouais, Caturba est tombé. Et Bora, ils sont en manque de bouffe, donc ils vont pas faire grand chose. Action détruite. Eh bah dis donc. Numidie, Livy, tueur des temps. Sur la Légio 4 et ça passe ou pas, même pas en résolution auto, ça veut pas. On déploie. Ligne en espérant que cette fois ça fasse pas de la. Hein? Mais bon, j'y crois pas. J'en vois déjà un qui va se barrer totalement de traviole, comme d'hab. C'est le même par contre. Oh là là, si c'est le même, je vous jure. Que je l'envoie au casse-pipe. Allez, feu à volonté. Ok, un navire de coulée, c'est pas fou pour deux salves. Hein. Deux navires de coulée pour trois salves. Quatre. Bien mieux. Les dieux sont avec nous. Toi bouge pas. Hein. Voilà. Ouf. Ouf. Bon, ça a piqué. Ça lui a rasé le. Ça lui a rasé ses plumes, lui. Hein. Ouh là, ça a fait plus que raser des plumes. Hein.
là, ça oui. Oui. Là, ça lui a brûlé les plumes. Ok, pas mal. J'ai entendu plein de projectiles dans l'eau. Oh, oui, c'est pas mauvais hein, quand même. Il commence à être assez précis dans leur tir. Ouais, voilà. Oh là là, bien, bien, bien. Oh bah. Très bien. 1520. Ça tourne autour des combien? Ça a 3000 de thunes? Comment ça s'y faire? Quatre mille deux cent trente-six. Ah, ça c'est bien. C'est quand même une source de revenus stable, Rome, hein. Faut pas déconner. En vrai de vrai. Ça, je vais dissoudre. Ah. Ah, ça coûte cher les éléphants. Ça coûte un peu plus cher que prévu, quoi. Voilà. Il me manquera un piquet, deux éléphants, ça devrait être pas mal. Augmente le temps de reconstitution. On est au complet, on est au complet. Ils sont vraiment plus personne. Hein. Tu sais quoi, je vais même y aller. Ouais, non, l'ordre public est pas terrible, terrible, donc. Je vais pas y aller de suite. Ah ouais, il faut vraiment que j'aille sur Massilia. Regarde, ils viennent de prendre Numantia. Un grand incendie de Carthage. Avant l'heure. Et surtout, voyez, hein. Il y a l'ensemble de la Carthaginensis. Voilà. La Provincia. Il y a moyen que j'aille faire un petit truc sympa là-bas. Donc on va commencer le déplacement tranquille ou. Tranquille, tranquille. Moins vite. Ah mais c'est parce que ça a brûlé, enfin bon c'est pas. Ça va revenir. Ça va revenir. 8 tours avant reconstitution, c'est beaucoup. Là c'est une classe 6 de 18, eh bien. Ah mais j'irai les intercepter quand même, la classe 6 de 18 là. Oups, ils peuvent être problématiques en vrai. Je gagne 1086 d'or par tour. Sans compter le vol qui sont faits grâce à mes juges. Les vols qui sont faits, putain. Qui augmentent vraiment beaucoup les revenus, je crois facile, au moins 1000 par juge, hein, facile. Les Celtes? Ouais bon les Celtes ils vont pas faire long feu. Hein. Ah bah y a plus de Celtes. Ah si y en a encore. Je vais direction Néapolis, on va essayer de faire
un embargo. Ou plus d'ailleurs. On avait dit quoi ici? Deux éléphants? Ah, pas deux éléphants. Ah oui, l'aqueduc. Ouais, les aqueducs. Ah, c'est bien ça, les aqueducs. Ouais, Bora est tombé. Après de belles cartes. Star. Ouais. Et puis se faire recruter. Et les Celtes sont tombés. Magique. Et Massia qui venait ramasser les morceaux, hein, comme d'hab. Ils ont des hommes. Ah, ils ont du monde dans la Légion 3, mine de rien. C'est vraiment le bordel ici. Comme ça, mon le Musnibi, c'est n'importe quoi. Les tacticiens. Là, je gagne 1900 par tour. Je suis à 900, donc je devrais être à 2800 en théorie. Ouais. Là, ça peut être très compliqué. Ça va être une bataille par retraite. Parce qu'ils ont beaucoup d'alliés. Rome vit comme les Romains, ailleurs vit comme on y vit. Exactement. Artillerie en attente d'ordre. Artillerie à votre commandement. Bon, ce qui me fait peur, ce sont les renforts. Encore une fois, je ne sais pas du tout d'où ils vont venir. Il va falloir que je sois réactif. S'ils viennent de derrière là, par là-bas là, ça me va. S'ils viennent d'un des côtés, ça me va un peu moins. C'est raisonnable au niveau de l'emplacement. Disons que là, si je peux tirer 2-3 salves et leur faire des pertes, je vais pas dire non quoi. Mais j'ai peur que ne pas avoir le temps. Parce que là, ils sont ultra serrés et la retraite risque d'être compliquée. Ils ont pas l'air d'être pressés, ils sont un peu aussi en galère. Et les miens sont en galère de tirer aussi, de viser. Et pour l'instant ça se passe bien. Là ils arrivent. Bon ils arrivent, je décide d'une retraite là. Ouais j'ai bien fait de le faire tôt la retraite hein, parce que vous voyez là c'est n'importe nawak. Hein. Il y en a même qui veulent pas se barrer. Hein. Regardez-moi ces coins.
Bah, ils sont totalement bloqués, c'est con là, c'est débile là, ces trois débiles là, ils veulent pas jouer quoi. Voilà. Pas voulu à la base. Bon, on aura fait quelques pertes. C'est considéré comme une défaite, mais ça me va, ce genre de défaite. Pourquoi il est allé fuir là-bas, lui? D'accord. Considéré comme étant plus près. Bah, il aura eu des pertes. Des couillons. Allez, triple rame. Et 30 coups. Voilà, on fait une retraite en bonne et due forme. Partons. Voilà, défaite de justesse. On a eu 13 pertes à cause de un qui allait faire une retraite, on sait pas trop où. Contre 1200. On a un ratio d'à peu près 1%. Ça me va. Même si je gagne pas d'argent, je les ai fait perdre. Ah ouais, mais là je suis dans la mer profonde, du coup j'ai de la perte. Bon, chier. Embêtant. Ils sont embêtants. Bon. On va quand même aller intercepter cette flotte. Hein. Pas déconner. Le souci. C'est bon, c'est pas chez nous. Ici, on va aller sortir sur la classe 6. Reste quelques levesses, en vrai, c'est vraiment rien de méchant. Donc, mener la bataille sur le champ. Pluie, je suis pas fan. Sec, je préfère. Voilà, là va falloir être bon. Parce que c'est de la vraie flotte. De vraies troupes en face. Pas des troupes pourries. Des navires de transport ou des trucs comme ça. Donc va falloir savoir viser les gars, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, va falloir faire de bons béliers. Hein. De bons mode bélier. Hein. Bon bah là vous êtes pas très très bon en mode bélier. en mode en distance, là, vous en avez coulé un. On va faire une dernière salve là et ensuite on va aller au corps à corps. Ouais. Ouais. J'ai pas le choix. Allez mode bélier. Le 3-4 ouais. Deux, voilà. Hop. On garde tout ce qui s'avance là. Les 20 coups pour faire plus de dégâts.
Voilà, on a eu une première charge. Il s'agirait de faire une deuxième. Sûrement avoir de la perte là. Ici, on charge le général, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Ok, je vais terminer la bataille ici, puisque je veux pas perdre de navire par le feu ou autre. Mais je crois que j'en aurais perdu qu'un quand même. Je crois que celui-là, il s'est fait, mais martyrisé, quoi. Pas sûr d'avoir des survivants dessus. Après lui, il en a un seul qui a rescapé. J'en ai pas perdu, ça me va. Hop, on réduit les captifs en esclavage. Et Ouah, moins 20% d'entretien pour les coûts des navires. Ah ouais, c'est bon ça. Hop, et on va aller chercher ici. Tant qu'à faire. Voilà, mode agressif. On coule le petit dernier navire. Forcément. C'était à prévoir. Non, c'était pas drôle. Carthage, 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 on va faire du bonheur. Ça ou ça? Oui. On aura un très très bon port comme ça. Allez, tour suivant. Avec Cupide, pardon. Je t'avais oublié. Donc là, attends, on devrait être à 2300, un peu moins de 2300 d'or. Au vu de ce qu'on gagne. Et avec les deux juges, je vais essayer d'y penser cette fois. 2300 à 2500. À 5000, pardon. On gagne 2600 quoi, environ avec les deux juges. Ce qui est vraiment pas mal. Bon, là, j'ai pas le temps d'aller. D'aller réparer mes navires, hélas. Par contre, j'ai le temps de eux leur dire. Courrez, direction Arcée. D'ailleurs, mes espions, là. Le premier est proche de Massalia. Et deuxième, proche de Genua. Rien à construire? Je n'ai rien à construire. Ok. Ah. Qu'est-ce que je peux envoyer? Éduquer Elissa. Lui, je le promue. Donne une promotion. Voilà. Hop. Elle aussi. Femme avide de pouvoir. C'est cool. Voilà, j'ai plus d'argent. Pas d'autres promotions pour l'instant.
Mais c'est très bien ça, c'est très très bien là. L'argent qu'on a pu se faire avec Rome. Ils viennent à moi, c'est magnifique. Ils viennent à moi maintenant. Là, c'est. Avant, il fallait aller. Avant, on va dire, piquer de l'or. Ensuite, ils arrivaient plus à me piquer de l'or. Ensuite, il fallait que j'aille les chercher pour qu'ils me donnent de l'or. Maintenant, ils viennent moi-même me donner de l'or. C'est magnifique. Navire d'artillerie au rapport. Fidèle fils. Voilà. Il y a du brouillard, il y a peut-être du brouillard. Non, même pas, on est bien. Allez, faites-moi feu en montant là-dessus là. Ils ont même oublié leur baliste. Salut Romain. Pavé. Allez, un bateau de coulée sur la première salve. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon début. Ce qui est bien, c'est que ça ralentit les navires suivants en plus. Bon là par contre ils tirent dans la mer, je sais pas ce qu'ils foutent. C'est qu'on voit, hein, là ils arrivent plus à avancer parce qu'ils sont bloqués et là... Allez, 1, 2, 3 navires en moins. Sur cette salve. C'est bien. Là j'ai ces navires sur les côtés qui sont trop loin pour tirer. Donc les avancer un peu. Raté. Raté. Ok. Raté. Raté. Ok. Allez, accélérons. Un coup de main ici. Ah ouais, il était pas en feu lui déjà? Pour moi, j'étais persuadé. Oh bah dis. On met tout le monde dessus, hein. Et sur les Rorari. Mais on a qu'un seul qu'à toucher. Qu'un seul sur 6. Environ. 1 sur 7. 1 sur 8. Et donc 2 sur 9. On va aller chercher les derniers, les lanciers mercenaires italiques. Combien faudra-t-il de projectiles pour les couler? Les paris sont ouverts, je parie sur 3. Ils sont bons pour les finishers des fois. 1. Ça touche. Oh, ça touche. Oh. Bon, il en faut 4. 5 et 6 à égalité. Allez, 5 et 6, le double de ce que j'avais dit. C'est pas très grave. Combien ça nous fait gagner? On avait dit 4236, je crois, sur le précédent coup. Et puis en plus, ça me donne de l'expérience pour cette... Et pour ce général, bon dommage, c'est pas un général de ma famille, et pour cette flotte. Oh bah zut, c'est ballot. Hein. 3192, c'est très bien. Eh ben dis donc, ça fait de la troupe tout ça. C'est des troupes de Marseille. Non, même pas. D'ailleurs, ça me dit... Est-ce que je recruterai pas une autre flotte vu que je vais aller contre Massaralef? Bonne question. Très très bonne question. Il y a quoi? Oh, il y a un beau général. Une belle légio. Tiens, tu sais quoi, je vais faire une...
un blocus ici, voilà. Ok. Et là, là, je vais aller à Numantia direct. Une promotion ici en Rabsheni, je sais pas comment ça se prononce. Ma vie de pouvoir. Pas ma vie de pouvoir. C'est très bien. Hein? Une partie des propriétaires fonciers. Alors, non, c'est pas ça. Ils sont là. Bon, on va éviter de les énerver encore plus. Ou tu me diras, j'ai des troupes pas loin. Par contre, je crois que j'ai un général qui fait partie de leur... non. Si. Ouais, mais oh. Putain. Oh, sérieux. Ok, continuons. Continuons pendant que nous prenons de l'argent à Rome. Ah, Rome d'ailleurs qui vient se défendre. Regardez, il n'y a que deux flottes de garnison et là j'ai toutes ces troupes là. Toutes ces troupes là. Oh là 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 là. Oh, j'ai hâte, j'ai déjà hâte. Et j'ai déjà hâte d'y être. Pareil, c'est le souci. Bien vérifier qu'ils ne viennent pas de côté. On va voir. Oh putain, par contre, il y a du brouillard. C'est pas terrible le brouillard, j'aime pas ça. J'arrive même pas à voir comment... C'est mes troupes. Hop, lui ici et voilà. Alors, ça donne quoi au niveau des renforts? Voyons la carte. Ils arrivent de là, ça me va. Ils arrivent de là, ça me va. C'est pas si mal. Disons que ça pourrait être pire quoi. Bon, après ça va être compliqué mais ça pourrait être pire. Oh. Ils avancent. Mais ils avancent mais pas tous. Et puis en plus avec le brouillard. Bon ça avance quand même. Ouais ça avance mais de manière un peu chelou. Hein. Je crois qu'ils veulent se replacer avant d'arriver ou un truc comme ça, ok. Double. Oh, oh. Joli, continue comme ça les gars. Ah dommage. Ouais dommage. Pas ouf, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Putain ils ont oublié 4 dessus. Hein. Si vous voulez bien arrêter de tirer sur des mecs qui sont déjà coulés, s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Voilà, ça touche enfin ici. Ah bah ça oui c'est décidément. Là ça vient direct, hein. Ah, j'aime pas ça. Je vais faire en sorte de les tourner par là. Là on est comment? On est pas trop mal. Là ils savent pas quoi faire. Je vais reculer lui. Eux ils sont perdus, hein. Ils sont totalement paumés. Hein. Hop, ok, je réinitialise le feu à volonté vu que ça déconne. J'ai eu du bol, j'ai eu de la chance, on se tire. Ah, magnifique, je vais finir par croire que c'est du talent là. Là ils sont groupés donc j'ai une forte probabilité d'en toucher au moins un.
Ouh, ça finit. Oh, alors attention là. Ça reste les navires de garnison. Je l'ai pas vu lui. J'ai chargé, je me dis que ça devrait le faire. Oui, ça l'a fait. On va les faire reculer un peu. Là, on est bien. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler tous ces navires là. Comme ça. Allez, de là, on va demander de faire feu dessus. J'ai pas été bon. Ça va. Ok, ça va. Ils sont à l'envers, ils sont à l'envers les cons, putain. Ok. Je mets au ralenti parce que là, je suis obligé de les... Je suis obligé de le jouer totalement manuellement, vu qu'il se fout à l'envers, alors, enfin, c'est... Ok, c'est coulé. J'aime pas faire ça, mais bon, au bout d'un... Enfin... Au bout d'un moment, vous voyez par vous-même. Hein. Lui, c'est pareil. Hein. Il n'en reste que deux là, vraiment? Ah bah allez. Oh non, il n'en reste pas que deux. Ah mais non, ils sont en train de fuir, merde. Non mais les laissez pas fuir les gars. Ok. Avancez et les laissez surtout pas fuir. Continuez. Les 20 coups. Le but ça va être de couler là, essayer de couler ces 4. Voilà, il y en a déjà un sur quatre. Deux sur quatre. Ils sont ratés de... ils sont foutus, hein, ils sont foutus, vous n'en faites pas. Sur 4. Allez, rentre en contact avec les navires déjà esquintés. Ah, allez, encore un. Plus qu'un. Un projectile. Voilà. 4920 pertes. C'est énorme. Là, je me mets bien. Alors là, quant à la thune là, que je vais me faire, ça va être encore mieux. Il y en a qui s'en tirent avec des survivants? Ah ouais. On dirait bien combien? 4954, c'est tout? Bah, je suis déçu là. Ah, bah, je suis déçu. Bon, au moins, Rome ne viendra plus m'embêter avant quelques tours. Au moins 4 tours, je dirais.
J'espère. J'espère 4 tours. Ah, j'ai perdu un enfant. Tarsa. Voilà, tu m'étonnes avec l'argent que j'ai mis de côté là. J'aurais pas trop avoir de soucis pendant un moment. Allez, on avance, direction Numantia. Là, ils sont combien? Ils sont 12. Ah, moi qui viens de m'embêter avant alors. Je vais lever la... Ah. C'était pas prévu ça. C'était clairement pas prévu ça. C'était vraiment vraiment pas prévu. Oups. Oupsie. Oupsie. Vraiment au premier degré hein. Je voulais pas. Bon. Matriarche. Et je peux ensuite elle. Tant qu'à faire, ce personnage était incité à rejoindre votre cause. Yes. Et ensuite je l'adopte direct, Lissa. Ah oui, mais c'est la femme de Hannibal. Ouais, non, non. Par contre. Quel âge a 39? Non, elle est un peu trop âgée. Hein. Oh, des gosses. De toute façon, là, ça pue la révolte. Hein, donc là, on a un autre risque de sécession. Sur les parties des propriétaires fonciers là. Toujours là-bas, là, toujours au niveau d'Ibossim, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à Ibossim. Et comme ça, si j'ai un souci, j'ai des troupes dans le coin, quoi. D'ailleurs. Si le tour prochain ils sont pas réveillés, je les provoque. Je peux mettre un édit. J'aurais bien aimé à Catagenetis, mais non, je n'ai pas le revenu nécessaire. Carthago, imposition, allez. Ils avancent. Ah, Lusitania. Ici, ok. Là, j'aimerais voir à quel point je m'entends pas bien avec Rome. Vraiment, ça peut être très drôle. J'ai pas l'air d'avoir eu de sécession. Non, j'en ai pas eu. On va essayer de la provoquer alors. Je vais essayer de la provoquer. Hein, ça. Ça sera bien de le faire. Au moins, je serai tranquille pendant un certain nombre de tours. Et j'aurais pas à me poser la question, est-ce que je vais me prendre une sécession bientôt? Je pourrais avancer tranquillement en territoire ennemi. Donc, pour cela... Oh, ça m'a coûté!
Rassemblons des soutiens, oui. Plein de soutien. Je prends un service? Ah ouais. Insulté. Non, pas. Toi, tu sais quoi, je te renforce ta promotion. Voilà. Pour être sûr que tu te barres pas. Je vais se passer session, toi. Parce que toi, tu as ma flotte. Toi, tu es important. Les autres, rien à foutre. Mais toi, tu as ma flotte. Ne t'inquiète pas que je vais faire en sorte de te garder sous la poche. Hein. De te garder dans la poche, de te garder sous le coude, de t'avoir sous la main, ce que tu veux. Les Lusitaniens. Ah oui, je vais les aider. Cartagonova. Mais ça me fait chier, c'est pas le moment. Non. Chypre. Oh, tu t'es foutu dans la merde tout seul, t'assumes. Hein. Ouais, une sécession. Non? Ah, non. Et je sais pas. Colonie perdue. Ah oui, mais ça je m'en fous. Ah oui, c'est ça. Ouais, non, mais ça je m'en fous. Hop. Si je voulais les garder, je serais resté. Ensuite, c'est là où il va falloir être bon. Risque de sécession de 18%. Bon. Elle est morte à 39 ans, c'est d'où ça existe ça? Comment ça, 39 ans? Mais c'est abusé! Wesh, enfin, 39 piges quoi! Chier! Chier! Je vais comment maintenant, moi, pour ma sécession? Ça revient pile comme il veut pas, c'est dingue! Je peux pas. Je fais comment, moi? Putain, tu sais quoi, je vais provoquer, mais ça va rien faire. Je peux pas les purger un coup, là? Je vais rassembler mes soutiens, hein, j'ai rien à secouer. Ah, là, tu veux? Comment ça me saouler là? Peut-être que je peux pour faire la sécession, mais ça veut pas. Réparation, combien de tours là? 9? Ah, c'est long les réparations quand même. À moins que j'évite d'avoir des pertes. Des rumeurs. On a de l'argent, on l'utilise comme on peut. Hein. Risque 52%, je suis à une chance sur deux là. Je suis à une chance sur deux de faire ma sécession, mais bon, on arrive à Tolosa là avec mon espionne. C'est marrant quand même pour un point de départ similaire, ils n'ont pas du tout choisi le même chemin. Et pour un point d'arrivée, au final, assez similaire aussi. Rome? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Rome, pour que le tour il soit aussi long? Un agent sûrement pour mes juges. Ils ont envoyé un agent sur mes juges, à tous les coups. Ou sur un de mes juges. Non. Ouais. Faction détruite, faction rencontrée Macédoine, ok.
Il y a des arvernes. Ouais, oui, si vous voulez. Ils ont pas fait sécession. Ça, c'est dingue. Je sais pas quoi faire d'autre. Répondre des rumeurs, des kilos de rumeurs, mais... Au bout d'un moment, je peux même plus faire de rumeurs, quoi, tellement... Tellement j'en ai répondu, au bout d'un moment, c'est... Bah, je sais plus quoi dire, hein. Bon. Provoquer? Ça m'énerve, ça m'énerve. Je sais pas quoi faire, hein. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Ouais, mais je vais pas insulter lui. Finir en négatif, lui, en ruse. Hein. Voilà. Je l'ai même assassiné, je l'ai fait assassiner au bout d'un moment. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Hein. Je ne sais pas quoi faire d'autre, honnêtement, pour les provoquer. Hein. À combien on est en probabilité là? Non parce que bon... 91%! Eh! Eh! 91! Quand même, eh, je peux pas me faire, je peux pas beaucoup mieux faire. Si! Si! J'ai pu mieux faire! Voilà, 100%! Normalement... On devrait être pas trop mal, on devrait réussir ce qu'on essaye de faire depuis un moment là. Ça devrait être bon d'ici d'ici pas longtemps quoi. Non, mais sûr. C'est dur hein, quand même de faire de la provoque là 100% moi juste que ce sont les bons. Oui, c'est bon. Donc sécession. Carthage, le parti politique vous aurait été renoncé à quitter votre faction. Oh, c'est ballot. Ici. Ah non, c'est moi ça. Ah, c'est Cardinal Monovat sur mes alliés. Et Ibossim. Alors, bon, pendant que j'y suis, le déplacement vite fait là de mes espions. Voilà. On n'a rien d'autre à améliorer, c'est très bien. Et bah moi, je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on a déjà un long épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et dans le prochain épisode, bah on va reprendre les territoires des mains des séparatistes de l'Adirim. Et on va sûrement commencer notre conquête de Libérie via les territoires annexés par Nassilia. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, c'était Thiob. Ciao.